cela, tu es à Nola Meyandorises. Nous venons rencontrer Monsieur Poliment du côté de Richter, justement, côté pour montrer nous ce ban cabri. Explique-nous surtout l'élevage des cabris et des moutons à Maurice. Alors, Monsieur Poliment, depuis combien de temps fait l'élevage cabri mouton? Depuis 97. Donc, plus qu'il 20 ans. Oui, je suis allé, venu, moi, c'était depuis Rodrigue, moi, mené. Après, pour revendre. Et là, mon nourri, bœuf, tout, moi, t'as mené, ben, le gros taureau. Mon lard, pas de terrasse, là, pour le cimetière musulman, là. Et puis, pour Id, de la mouton. Ok. Mais, ben, cabri, même, comment vous l'allez sous le cabri? Et mouton. Blé, moi, tu travailles 28 ans, moi, prends mon retraite. Et là, on commence à lancer de habitude. On comprend? Et ça, de ça, on arrive à monter à la casa de l'État. Et puis, là, on a un bif. Et puis, on fait un petit lazout là-bas, pour du vin, avant de faire la casa de l'État. L'élevage cabri et mouton, qui l'y demande? Il demande beaucoup d'hygiène et beaucoup de patience. On voit, ou bien respect les autres plus qu'ils vous. On voit, parce qu'ils ou bien les autres ont besoin de nous. On comprend? Appareil, comment les autres mangent, concentrés. Ça y est là, grand matin ou l'heure des autres. On nettoie les autres portes, on met une solution désinfectée. Après, il y a des autres qui viennent vivre à autres. Et les autres, quand autres, quand ils sont pleins, ils ont galopé, filmé tout de l'eau. Tous les autres sont de l'eau propre. Ils ont fait une nevers tous les 3 mois ou 2 mois. On va même mettre une capa tout de l'eau, mettre une pour blesser ou de l'eau. Ça va être une mini-roïde, une capa, l'autre, tout de l'eau. Je demande concentré, je demande du pain rassis, biscuits, je vais faire un pain. Moi, je vais faire un pain avec du monde. Mais quand tu as un pain, c'est quoi toi, c'est ça? C'est ça dans la patrie de Jumbo, Jumbo Risté. Il y a un grand sur la plaine là-bas, alors je mets un sable spaghetti, je coupe un pied, bronze tout ça, je l'ai en bas. Et là, je fais un paquet dans le pain de la. Je mets le scooter, je tasse un derrière et un divan. Je vais monter dans la mobilité. Et qui va le payer ça? Il y a Boisozo, Kasha, Kachaman, Banoir marron et Banoir gaufré. Banoir dîner aussi. Banoir ferra, tout le monde ça bien. Vous comprenez? Ah, ben manger. Et on commence par combien de cabrés avec mouton? 48. À côté des bureaux de vie. Et là, maintenant, 2 vases, 4 tours. Tu amènes ensemble. Je vais chercher quoi. Là, je vais commencer. Je vais amener ça là, je vais quitter là. Tu es dans un coup de main, tout ça là, dans un enfant, parce qu'il y a un gros travail. Mais je vais quitter ça aux autres. Et là, je vais aller. Je vais faire 15 jours, parfois 14 jours au lit. Après, je vais rester, je vais revenir. On voit, nous sommes aussi des bons ça. Et puis, il y a un permis qui est capable de mener un peu d'affaires pour vendre. On va vendre ça là-bas. Bah, kilo de musique pour zip. C'est misère. Gros maillot tout pour vendre. On voit, maintenant, on va bien accueillir tout comme moi, comme tonton, comme les autres pour le monde. Et on fait un petit coucou tout le monde dans la famille Rodrigue. Coucou à tous. Et madame appelle Stéphanie. Oh, il aime bien de moi. Mais quel gros papa pour le Brésil. Ou bien mouton, il y a qui pour. Il y a un gros, une femelle qui pour mettre bas. Oui. Comment vous faites avec eux? Ou comment vous connaissez quand vous mettez bas? Moi, je connais un doudou gonflé. Et puis, une tétine d'une rouge. Là où fini qu'on est là, mettre dans la maternité. Mais tout le temps, on regarde la maternité là, ça. Ça, on met les autres là-dedans, et on check les autres. Le temps de crier, ça faisait les autres finis de mettre bas, on dit, on check les autres un coup, que tu as une lumière là qui nous laisse allumer. On check les autres, ça clair, on fait
elle m'a tourné nous guetter, je tourne de bas, alors on est dans le propre. Les autres dans le propre, c'est tout. Si papa est petit, là, papa boit, nous sous les vies, mais si t'es une maman là, il boit. J'en ai que fait senti qu'il dit les roches au néné là. Maman là, senti, dit, il est pour. Invite-lui pour boire ça, du tout. Il n'y a pas de du monde. Et est-ce qu'ils ont des difficultés, parfois, ou ils ont des difficultés pendant qu'ils peuvent mettre bas? Non, pas tout à fait. Quand pas une petite difficulté, tard l'autre, tardé, un petit retard. Mais sinon, ça va, correct. Parfois, il faut trouver d'autres ventes là, c'est pas commander pour tous les autres, c'est embarrassé, puis qu'ils crient. Il faut dire, normal, y aller. Ou bien, madame Sars. Et là, quand tu es petit, quand tu es petit, là, comment vous faites avec eux? Les autres, un chiffon, je prends un drap, met en bas, nettoie les autres, enfin, bien. Les autres, correct. Les autres, ils vont autres même, de débrouiller. C'est moi pas envoyé parmi les autres d'avoir tirage. Le bisin là, pour une semaine, pas une semaine, deux semaines. Et les autres, même pour sauter là. Ça commence bien, ça sauter là, là. Sinon, voilà. D'autres gardiens, un petit guide encore, peut-être, capable de descendre, car ça vient de tirer au dégât, un dé. Et comme, le premier mois, le premier, qu'il a, c'est ce qu'ils ont, ou comment se voient les autres? Pendant un an et demi, deux ans. Il est là, mon grand-père. Il est pour tirer, comment dire. Il est là où il espère gagner 3-4. Moi, je tire 10. Là. On ne fait que 20-10. Je vais monter sur l'argent, comment il était. Vous comprenez? Mm-hmm. Et ça me donne mon service par épisode, par l'année. Ah. Tous les années, j'ai besoin d'un animal pour vendre. En cas, j'ai besoin d'un mariage à Tika. Il vient Roden, Adam Odon. A pas qu'il commence à gommer tout en bas. Il paraît pour vendre des l'air. Ça va tout mettre bas. Il partit de ça, moi, tu as dit. Mm-hmm. Et là, pour un trois. Trois pour venir commander là. Il y en a quatre là-dedans. Là. Et est-ce qu'il y a un climat qui est content, mouton et cabré? Oui, mouton content, plasso. Sec, plasso. On voit, là, dit dans le soleil, là, dit bronzé. Là. On va passer un autre galop là, des parcs là, secs là. Moi, dans ta semaine, je vais rester, je vais mettre deux dormir. Trois heures, je vais sortir. Et là, je vais mettre une clarté là, une pompée. Voilà, elle est là, elle est sérieuse. Est-ce qu'il y a un mouton et cabri, malade, qui a une maladie? Non, pas trop. Nous n'avons pas gagné dans sa bonne difficulté là. Si vous prenez les soins, attends, ou tout le monde, comment dire, pas son manière ça. C'est pas un piqué antibiotique, c'est pas voir l'information. Vous venez prendre une piqué, vous venez piquer tant de doses. D'accord. Et donc pour finir, M. Polimon, donc ça l'élevage cabri et mouton, il est doux justement beaucoup. Pour soins et famille. Oui. Bon, il est très intéressant que nous le vivons contre M. Polimon, qui est un peu un des bonnes paysans qui a encore fait mouton et cabri à Maurice, hein, peinant beaucoup. Parce qu'en 1983, nous tenons environ 72 000 la tête mouton cabri. Mais en 2014, il est tombé jusqu'à 27 000. C'est-à-dire qu'il a, ben, a beaucoup de problèmes, ben, problème l'environnement, hein, ben, problème fourrage, mais aussi le vieillissement ben, éleveur lui-même. Hein. Et donc la production est tombée. Et là, ce qui est arrivé là maintenant, c'est qu'il y a une tentative du ministère pour essayer de faire une multiplier farm, pour essayer de relancer la production de moutons. Mais il y a un gros problème qui nous fait gagner en 2016. En 2016, c'est que nous avons la fièvre apteuse à Rodrigue qui a affecté beaucoup les animaux, surtout les animaux qui ont sabots, les animaux comme les cochons, comme les moutons, cabri, bœuf. Hein? Et heureusement qu'il y a une cerf qui a sabots ici, pas fait affecter. Et ça, vous connaissez, Mauricien, beaucoup de cerfs. Et ça, il sauve nous
beaucoup. Mais la fièvre apteuse lui-même, c'est une maladie, c'est un virus qui a affecté beaucoup, il décime un peu la production de moutons à Rodrigue et à Maurice aussi, bœuf, etc. Et ça fait une faire qui nous positionne tomber encore plus. Donc il y a beaucoup de ce virus-là, et il rentre dans le pays. Il rentre dans le pays parce que malgré le contrôle phytosanitaire, mais nous exposer encore à un virus très important comme le Rift Valley Fever ou bien le Blue Tongue Disease. Tout ça, une maladie-là, nous sommes capables de gagner. Donc, et avec la fièvre apteuse, tous les animaux, tous les moutons, cabris, sont vaccinés par le ministère. Maintenant, si nous avons envie de relancer la production cabri-mouton, c'est une des bonnes choses qui se faisaient à l'époque, c'était introduire une nouvelle race, la race anglo-nubienne et aussi la boer en 1990. C'est parce que la race locale, qui nous appelle la barbarie, hein, nous avons trop de croisements sanguins en famille, on va dire, et ça a fait diminuer notre qualité en termes de poids des animaux, et donc génétiquement, nous avons diminué. Donc, c'est une étape de relancement de la production moutons et cabris à Maurice. La deuxième chose, c'est que nous avons un contrôle beaucoup plus phytosanitaire dans nos pays, mais nous avons encouragé le Mixed Farming Project. Hein, c'est-à-dire que Maurice encourage Organic Farming, mais aussi nous faire l'élevage et Organic Farming. Nous avons un fumier pour faire nos plantations, etc. Hein. Donc, il y a beaucoup de challenges devant dans l'élevage mouton. Et la production fourragère qui manquait à Maurice, hein, parce que c'est ban ruminant. Ban ruminant, c'est besoin manger ban verdure. Hein. Nous connaissons ban vache, ban cabri, mouton. Ils ont quatre l'estomac. Donc, dans le trou humain, ils ont besoin ban bactéries qui digèrent ce ban mouton-là, ce ban manger-là. Donc, nous avons beaucoup de fourrage. Un cabri mange dans les 8-9 kg de fourrage. Donc, là, monsieur Polimon laisse les animaux à l'eau à manger parce que c'est difficile pour un fourrage journellement pour les nourrir les animaux. Donc, on a tout ce programme-là bien fait. Et donc, nous espérons qu'à long terme, nous capables d'améliorer génétiquement nos animaux, mais aussi qu'il y a des jeunes qui apprennent la relève. Pour faire la production. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de nous l'émission Nous la Terre, Nous la Mer. Nourrissez, c'est une découverte, donc l'élevage cabri et moutons avec monsieur Polimon qui fait ça depuis plus de 20 ans. Mais également, il faut dire que donc Eric Lina rajoute sous valeur ajoutée, donc ce qui en est de ban moutons et cabri, l'élevage à Maurice. Ben voilà, pour ma part, me donne notre rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Nous la Terre, Nous la Mer. Nourrissez, bye bye.